On se retrouve pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue, vu déjà tout le bazar qu'il y a sur mon plan de travail. J'étais en train de faire le challenge pour Scrap Didi et je me suis dit, bah, après tout, pourquoi pas vous le filmer. Donc, c'est un challenge pour Scrap Didi tous les mois. Du coup, j'ai utilisé la dernière box, donc ces tampons-ci. Donc, j'ai pris celui-là et celui-ci. J'ai tout colorisé avec des feutres à alcool. En ce moment, j'ai envie de m'y remettre. Et donc, j'obtiens ceci. J'ai fait les deux petites bouteilles, mais je pense me servir que d'une seule. Après, des petits feuillages, tout ça. Et j'ai préparé des étiquettes. Donc ça, c'est des étiquettes que je fais du coup moi-même maintenant. Une petite bande, mais je pense que je vais la refaire. En fait, j'ai préparé plein de tamponnages. Comme ça, c'était fait. Parce que j'ai voulu faire le contour avec feutre à alcool noir, mais en fait ça bave plus qu'autre chose. Parce que je l'ai fait sur du papier aquarelle, je sais pas si c'est dû à ça, mais du coup je vais le refaire, je pense, si je me sers de ça. Et en fait, il faut, pour le challenge, il y avait plein de mots à trouver dans un mot croisé. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc-là. Bref. Et il faut trouver, enfin, il faut sur tous les mots choisir 8 éléments. Donc moi j'ai décidé de prendre feuilles, les taches, étiquettes, l'orange. Donc l'orange il va être sur les bouquins. Les feuilles on les a ici. Et dedans il y a bleu et jaune. Donc je les ai faites en bleu et en jaune. J'ai également fait en vert. Je vais utiliser du fil doré. Et puis quoi d'autre? Bah le livre. Donc le livre du tampon ici. Et je dois avoir mis 8 comme ça. Et pour mon fond, j'ai utilisé un papier de chez Scrap Didi. Donc, c'était la collection Douceur printanière. Je vais prendre ce côté-là. Et je vais venir mettre du gesso dessus. Mais juste un tout petit endroit pour éclaircir tout ça. Je vais mettre en avance rapide. Et puis, bah, je vous retrouve à la fin de la vidéo. C'est parti!
utilisé ce produit, donc c'est le All Purpose Ink je sais pas. C'est la même marque en fait que les Versafine, c'est le Tsukineko là. Et en fait, j'ai acheté ça en me disant mes taches vont être bien noires. Et c'est le cas. En tout cas, sur le gesso, ça fait vraiment noir. Sur le papier, ça absorbe un peu, donc plus clair pour le coup. J'ai pas d'encre de Chine. Je pense qu'il va falloir vraiment que j'investisse dans de l'encre de Chine. Mais bon, c'est pas grave. Parce que ce petit bordel-là, vous avez que 15 ml et ça coûte 2 euros. Alors, je sais pas si c'est cher ou pas cher, mais 15 ml, ça part vite. Après, pour juste des gouttelettes, j'ai envie de vous dire, je pense que j'en ai encore pour longtemps. Mais bon. J'ai utilisé les petits mots ici qu'on avait eu, je sais plus quand. Je sais plus. Et puis ces petites feuilles là que j'aime beaucoup. J'en avais déjà colorisé pour une autre carte Scrap Dizzy. Et comme il m'en restait, du coup je les ai mises vu qu'elles étaient bleues et qu'il m'en fallait. Ça je les avais achetées. Et les deux petites comme ça seulement. Donc il y a le prix là, 1,90 €. Je trouve pas ça très cher pour deux jolis petits feuillages. J'ai mis donc en mise en bois. J'ai fini un petit lot. J'adore finir des lots. C'est super souple là chez moi, non? Bon, j'espère que vous verrez mieux. J'ai allumé toutes les lumières possibles. Donc, la couronne. Donc, j'aime bien moi quand je finis un sachet. C'est que je m'en suis servie. Dedans, il y en avait trois, je crois. Et puis après, bah, j'ai fait ma petite superposition avec mon petit vase avec les livres et puis le flacon. Et d'ailleurs, je voulais pas qu'il dépasse. Je pense le couper. Parce que bah, ouais, j'ai pas fait attention. Quand j'ai collé ça, j'ai pas fait attention à ça. Bref. Mon petit coup de gesso, bah, je trouve que c'est pas mal. Comme ça éclaircit mon papier de fond. Mon petit fil doré. Je l'ai pris sur... chez qui je l'ai acheté? La fourmi. C'est du DMC diamant, si ça intéresse. Il est très fin et... Enfin, il est très fin. Vous avez, je crois, 3 brins dans le fil. Qu'on peut dédoubler. Donc, voilà ma carte en Scrap Dizzy pour le challenge d'octobre. Donc, on est le 26. Je vais aller la poster. Je m'y suis mise tardivement, mais tous les soirs je faisais un petit peu de colorisation et puis ben là je me suis dit j'ai fini un peu plus tôt le boulot que d'habitude, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, la vidéo est terminée, je vous mets des photos en fin de vidéo comme d'habitude et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.